Assez Manescol, veuillez m'excuser. Un, deux, c'est bon. Assez Manescol, veuillez m'excuser encore une fois pour le retard. Je me présente tout d'abord. Enabou Chalayou, je suis la secrétaire générale de Aura Marketing Consulting et l'équipe est de Communication Maya Col du mandat 2019-2020. Alors, tout d'abord, merci d'être parmi nous. Veuillez, s'il vous plaît, applaudir nos invités. And the proud husband. Pour commencer, je vais passer la parole à notre présidente, Asma Jbar. Merci. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite tous la bienvenue parmi nous aujourd'hui. J'espère, au nom de toute l'équipe de Aurora Marketing Consulting, que eToon ici sera l'occasion pour les étudiants ainsi que pour les entrepreneurs et juniors entrepreneurs de mieux appréhender et apprécier le digital tunisien. Quand on dit Aurora, on entend par cela un cabinet de conseil purement estudiantin qui réalise des projets. Mais ce qui est le plus sous-entendu par ce mot, c'est la Generation Proud. Une génération qui ne fait qu'émerger dans le monde professionnel. Une génération qui nous surprend de plus en plus. C'est cette génération qui nous donne envie de mieux connaître le digital tunisien. On peut donc ici parler de la JET, ou plutôt Junior Enterprises of Tunisia, parce que grâce à cette confédération, on est tous ici en train de suivre le même rêve. Et c'est le rêve de chacun d'entre nous en tant que junior entrepreneur. Mais avant tout, on est là avec nos chers invités d'honneur pour en parler du digital tunisien. Mais avant tout, on va vous présenter eToonsi avec mon cher collègue et responsable marketing, Willy Charbin. Assalamu alaikum, donc. Je suis Willy Charbin, qui est responsable marketing. Déjà, merci beaucoup, Manta, de nous avoir fait confiance. Et donc, merci d'être parmi nous, qui m'a dit le manéa. Donc, eToonsi, allez, eToonsi, bah. eToonsi, donc, j'habite à eToonsi plutôt, manéa, femme. eToonsi, pour faire référence à tout ce qui est digital, manta, bah, tout, j'étais en 6-19, manta, tunisienne. D'accord. D'accord, ok, c'est bon. Donc, eToonsi, j'étais en Azaïa, manta, j'étais en l'asma Azaïa pour faire référence, manta, à la Tunisie, notre chère Tunisie, manta. En même temps, j'habite حابين نرمي عينينا على البيت الفوتور معناتها ان طونك جونيور انتربريز باش نجمو نحكيو على ديجيتال اللي هو الفوتور نتاع كل انتربريز معناتها تحب معناتها علاش تكون رونتابل فوالا
test, test. OK. Yes. فهمت علاش كان عندي انا عملت هكا. OK, donc باش ما نبتش عليكم. جيسبر كو باش تعملوا جو باش تعلموا برشا حاجات و مرحبا بكم معنا. C'est bon. Alors, bonjour, ça va? La baisse. Bacha jeunesse, Barkala, c'est très bien. Donc, Etonsi et Barklout, la session ADSM, plus précisément, qui m'appelle Chaben, plutôt. Donc, Ena Houssem El-Behi, je suis animateur chez Express FM, sinon, programme manager chez le Bridge Council, Fidons. Donc, فرحان اللي انا بحذاكم موجود اليوم و باش نحكيو مع لي مدام هذوما فوالا girls power exactement donc c'est ça باش نبداو gender c'est ça alors donc c'est important en fait نقولوا من الاول اللي بشويه بشويه الماركتينغ في تونس خاصه كي نحكيو على الاي ماركتينغ وال tout ce qui est digitalisation etc des entreprises. Haja, c'est un process qu'on a fait dans le secteur privé. Ou essentiellement, puisque tu as au business school, vous êtes conscient, slash consciente, puisque Girls Power, donc je n'ai pas la genre gender, l'importance de ce sujet. Je vous félicite en fait, comme vous dites, au sujet de Mandour, les influenceuses, les Instagrammeuses. YouTubeuse, ça se dit comme ça, et voilà. Donc, Anna Mahanalium Rim Khouja, Maïsa Mahamer, donc Imel Lahmer, Ouraya Boualek. Je vais vous dire que vous êtes très bien. Je vais en français, d'accord, en français. Ok, mais switch. Oui, c'est bon, normalement. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous. Je m'appelle Imen Lamar. Je suis Many Ways, exactement, sur Instagram. Je suis française d'origine tunisienne, tunisienne d'origine française, comme vous voulez, très imprégnée par la Tunisie et suivie essentiellement par une communauté tunisienne. Je n'ai pas choisi, mais ça me fait très plaisir d'être suivie par les Tunisiens. J'ai un concept, un personnage que j'ai créé récemment qui s'appelle Mini Gilliger. Donc c'est un coach en destruction personnelle. C'est le contre-pied du développement personnel. Donc en fait, en quelques conseils, je vous apprends à ruiner votre vie et foncer dans le mur. Il ne faut pas écouter ces conseils, c'est de l'humour. Je suis consultante, enfin j'étais consultante média et je suis humoriste. J'ai fait ce choix depuis quelques années, le choix de suivre mon rêve. Et je suis très contente de vous voir aujourd'hui et d'être aux côtés de ces influenceuses, femmes de pouvoir. Et voilà. Bonjour tout le monde, Raya Boualek, je suis influenceuse. Donc voilà, je me suis présentée et je passe la main à Mazouz. Aslema, Mazouz. Alors, Aslema, je suis Maïsa Mahamr, alias Mazouza, pour ceux qui me connaissent. Donc, je dirige une agence d'événementiel, relations presse, relations publiques. J'ai développé le métier de manager d'influenceur. Donc, je compte parmi mes bébés, donc Raya, Rim Khouja, Sahari Bahri et Nessim Siedeya. Et donc, ma présence aujourd'hui est essentiellement basée sur présenter le travail de manager d'influenceur. Donc voilà, Yatia Komsaha pour l'invitation et à tout. Il peut se m'en faire.
Assalamualaikum. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Esmeli Mkhouja. Je suis influenceuse, même si je préfère le terme créatrice de contenu. Et je suis aussi youtubeuse, mais la création de contenu. Et je suis ici avec ma maman virtuelle, Lili Hebe. Et voilà, donc merci encore une fois de m'avoir invitée. Merci beaucoup, Likoum. Merci beaucoup, Likoum. Tu as la surprise, Libel français, en fait. Excusez mon français, j'ai fait mes études en anglais. Fait tourne Sophie Amérique, donc c'est un peu, ça va être un peu drôle, mais bon, je suis bizarre, je suis allarqué. Alors, donc, pour commencer essentiellement, ça va, si le micro marche déjà, ça va? Ça coule. Un, deux, voilà. Très bien, très bien. Donc certainement que, en fait, on voulait, ça pour commencer, on a parlé un peu de cette conférence et de cette session, et on s'est dit que on aimerait bien en fait en discuter avec vous et avoir une session, ou organiser une session interactive. Donc essentiellement c'est pas ça. Mais pour commencer, on voudrait bien savoir comment mesdemoiselles, mesdames et demoiselles ont commencé en fait leurs expériences avec ce monde de digital et d'influence. Allô, allô? Allô, allô, allô? Méliane, la bébé, ça? Donc, Donc, moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, il y a, je pense, c'était depuis 2015. J'ai commencé déjà sur Instagram parce que je suis passionnée par la photo. Donc c'était une application que j'ai téléchargée comme plusieurs d'entre vous. Mais plus pour ma passion pour la photo, je partageais Bacha Hajet. J'étais un peu dans le côté esthétique de la chose. Après, j'ai développé, j'étais sur Snapchat. Et avant Instagram, c'était différent. Donc il n'y avait que les photos, il n'y avait pas de story. On n'écoutait pas la personne. C'était juste une photo, quoi. Donc Snapchat, donc Bard Walid sur Snapchat, et c'est là où j'ai fait le boom un peu sur Instagram. Et donc en Akbal, j'ai fait des études de beaux-arts, donc j'ai une maîtrise en arts plastiques céramiques. J'ai travaillé Bacha Hajé, donc j'ai touché un petit peu à la grande distribution. J'étais aussi commerciale dans une grande entreprise qu'on connaît, je pense, que je ne vais pas citer. J'ai vraiment touché un peu à tout. Et quand j'ai commencé sur Instagram, avant, il n'y avait pas Famish Redma. Pour nous, c'était ma famille blogueuse, ma famille influenceuse. Donc, Instagram, ce n'était pas dans le but de ça va être mon travail maintenant, parce qu'il faut savoir que je suis à 100% influenceuse. Ça veut dire tous mes revenus, j'ai mon Instagram. Donc j'ai laissé tomber tout mon travail parce que j'ai commencé à sentir qu'il y avait aussi du potentiel, qu'il y avait une entrée d'argent. Il faut toujours penser, faut vraiment être prêt pour ça. Donc voilà, je suis devenue, j'ai pas choisi de l'être, je suis devenue influenceuse, déjà par le fait que je partageais un petit peu mon quotidien. Donc j'aime bien les belles choses, j'aime bien me faire belle, j'aime bien me maquiller, je suis passionnée par le make-up, je suis passionnée par les jolies choses. Donc j'essayais de transmettre ça à travers les vidéos. Et tu sais, quand tu commences à parler d'un truc qui te plaît vraiment, il ne faut pas être influenceur pour toucher de l'argent. Il faut, pour faire de la pub à tout, il ne faut pas être convaincu, parce qu'après, par la suite, ça se sent
et tu perds ta crédibilité et tu perds le fait que tu peux aller et continuer ça sur du long terme. Donc tout doit être bien réfléchi. Et la première chose que Eli Khaled, ni peut-être que je deviens influenceuse, c'est aussi le fait d'avoir cette confiance avec les gens qui me regardent. Ça veut dire si je dis ce produit il est bien, aussi bien sûr il faut expliquer que bien pour moi selon mes attentes. Parce que on peut le produit d'ailleurs Jebniena, il peut ne pas te plaire à toi parce que tu n'attends pas la même chose du même produit. Donc tiens, il faut pas aussi non plus être comme un suivre Hakeka. Donc ça s'est fait comme ça naturellement et voilà, je parle d'une chose, les gens achètent après. Donc petit à petit, tu te retrouves, ok, tu es là, tu parles d'un produit, mais par la suite, aussi, il y a une vente. Donc d'où le côté partenariat, ça a commencé petit à petit. J'ai commencé à travailler avec une seule marque, Warta, en ayant un tout petit budget et ça me plaisait. Beshoya, en allant dans le temps, j'ai commencé aussi à avoir de plus en plus de collaborations. Et maintenant, alhamdoulilah, j'essaie vraiment de bien choisir les personnes avec qui je travaille parce que c'est très 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 important. Il ne faut pas accepter n'importe quoi, il ne faut pas accepter n'importe qui. Et là, de mon côté, la personne est plus importante aussi que le produit. Si le produit il est bien, il est présenté par une personne qui n'est pas bien et qui ne partage pas les mêmes valeurs que j'ai, je ne vais pas travailler avec. Donc je ne fais pas ça pour l'argent et je ne l'ai pas fait pour l'argent. Et je pense que ça se voit. Il faut vraiment savoir. Pas dire Selem, Hamnoua, les influenceuses pour toucher beaucoup d'argent. C'est pas ça. Il faut être passionné déjà. Si tu n'es pas passionné, on le sentira. Voilà. Sentira. Oh, le français. Ça va. Oui, oui, certainement. Nous sommes dans le monde de la mode ou de la beauté, avec Karim. Nous avons parlé un peu, comme nous l'avons fait dans la radio, on a parlé un peu. Vous allez découvrir un profil aussi très, très intéressant, qui m'a raï avec un cursus de Yassir Mezen. C'est bon. J'ai commencé en fait, je vivais pas fitou ne soirta, je faisais mes études au Canada et toute mon adolescence, j'ai ressenti, dima dans le monde du maquillage et de la beauté, un manque de représentation par l'arbide, peut-être ils ont la peau plus foncée que moi. Je trouvais que mental les produits ne correspondaient pas à ma couleur de peau, alors que je sais que c'est une couleur de peau mental. Donc ça a commencé comme ça. Quand je suis partie au Canada, j'ai découvert qu'il y avait plein de produits qui répondaient aux besoins de plusieurs carnations, à plusieurs personnes, plusieurs types de peau. Donc j'ai commencé à me maquiller et j'ai vu qu'il y avait mentalement des DAV YouTube ou col. Donc j'ai commencé à la base sur YouTube et j'ai commencé à partager mes astuces. Encore une fois, en gardant en tête les personnes qui ont ma couleur de peau, voilà, qui ne se sentent pas représentées dans la société tunisienne. Donc quand je me suis réinstallée en Tunisie, ça venait de commencer, il y avait très peu de personnes, Warta. Et donc j'ai commencé petit à petit à partager, encore une fois, en gardant en tête les choses qui font de moi ce que je suis, que ce soit ma couleur de peau, ma façon de parler, donc c'était très spécifique à moi. Et c'est comme ça que j'ai migré vers Instagram après pour des photos au col. Mais Ena, personnellement, mon premier amour, on va dire, dans le digital, c'est YouTube, parce que je trouve que c'est la meilleure manière de partager ce que j'ai envie de partager. Ena, ça me permet d'être créative, de passer du temps sur une vidéo, de réfléchir à un concept, de réfléchir à un sujet qui pourrait intéresser mon audience, et ensuite de faire le montage, de m'amuser dessus. Donc Ena, c'est ma passion. YouTube, c'est plutôt ma passion actuellement, Instagram. Voilà, donc... c'était quoi la question pour le FEDE? Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ça a commencé par un besoin que j'ai ressenti, Ena, et après ça s'est développé vers d'autres choses. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc moi j'ai commencé... J'ai commencé parce que j'avais envie de transmettre ma passion pour le voyage avant toute chose.
Donc j'ai commencé avec le voyage. Ensuite, j'ai bifurqué vers l'humour. Et l'idée, c'était justement de transmettre ma volonté de changer et qu'il n'y avait pas de règles, en fait, de ne pas rester dans les cases, de pas faire ce que la société vous impose. Moi, j'ai étudié, j'étais faite pour être cadre à vie, travailler de 9h à 17h et me marier et avoir des enfants. Dixit, ma maman. Donc voilà, l'idée c'est aussi de, en fait, c'est vrai que je fais mon contenu au gré de ce que j'aime. Je suis pas du tout maquillage comme Rim et Raya, mais par contre j'aime suivre des personnalités comme ces femmes-là, parce qu'il y a des messages justement derrière, tels que Raya, elle est pleine de spontanéité, et on le voit aussi aujourd'hui, et elle encourage la jeunesse, je pense, en Tunisie. Honnêtement, moi, c'est pas parce que c'est une amie, mais c'est une grande fierté d'avoir Rayou, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement spontané. Non, c'est quelqu'un qui est spontané et je pense qu'on a besoin de cette spontanéité. Moi, ce que je veux vous dire essentiellement, c'est soyez vous-même. Je rejoins Raya et Rim. Ne le faites pas pour l'argent, faites-le parce que vous avez des choses à dire. Ayez un message et soyez vous, parce que ce qu'on veut, c'est vous. On veut pas que vous soyez la copie de quelqu'un d'autre. C'est ça votre richesse. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, donc essentiellement, tu as un peu avec les influenceuses. En fait, parfois, il y a des barrières de communication entre les entreprises qui veulent, entre autres, communiquer ou voilà, promouvoir leurs produits et les influenceuses. Parce que tu as plusieurs situations. On se trouve parfois dans des situations où on ne parle pas la même langue, voilà, exactement. Donc, Maïssa Mamer, elle est là, elle est en train de gérer, je dirais, le travail de Raya et de Rim. Marhaba bik, Mahana. Merci. Le micro, Mandrabi. Alors, effectivement, donc en fait, j'ai commencé aussi. Comme elles ont toutes commencé. Alors, l'idée, oui, ça a commencé vraiment par pur hasard. Donc, on discutait avec Raya. Raya, qui est ma cousine, d'où à la base, elle est ma cousine, voilà, pour expliquer ce qui est. Et donc, on était en train de discuter. Moi, je venais d'ouvrir l'agence. On était en train de discuter. Et elle recevait des demandes de la part de marques. Elle n'avait pas forcément le temps d'y répondre. Et donc, une chose entraînant une autre, je lui ai dit, tu sais quoi, les réunions, et toi, je te donnerai ce que tu auras à faire, en fait. Tout simplement, on a commencé comme ça, petit à petit, jusqu'à, après, on a organisé un peu plus notre travail. Et donc, oui, effectivement, en fait, les marques, voilà, les clients, les femmes, ils ont une manière de présenter les choses, ils sont marketeurs, ils ont des objectifs à suivre qui ne sont pas forcément adaptés à Abd, qui est, on va dire, artiste un peu dans sa tête, voilà, qui va présenter les choses, en fait, qui est une personne comme une influenceuse. Et donc, du coup, ils ont leur propre jargon. Et donc, en fait, moi, mon rôle, c'est vraiment d'être un intermédiaire entre les deux pour faciliter la demande par rapport aux clients. Et pour désengorger un peu l'influenceur, voilà, l'influenceuse, pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire, en fait, ce qu'elle aime faire, elle, et pas besoin de rester des heures au téléphone, voilà, d'être des heures en réunion pour parler de quelque chose, voilà, d'un produit qu'elle va essayer, voilà, qu'elle va tester, qu'elle va adorer, et pour être spontanée et tout ça. Donc voilà un peu mon rôle dans tout ça, en fait. Donc, mon rôle n'est pas de créer des influenceurs, je le précise. Rani, je ne crée pas d'influenceurs, je ne suis pas une machine à créer des influenceurs. C'est les influenceurs qui sont influenceurs par eux-mêmes qui viennent me voir. Donc, je dois préciser ça parce qu'à chaque fois, les gens me posent la question. Donc, on essaie de, bien sûr, on cadre derrière. J'essaie de cadrer pour que le contenu soit bien fait, pour que le travail soit bien fait, pour que s'il y a des stories qui sont un peu dérangeantes, voilà, un peu choquantes, on va les enlever. Je fais la police un peu, on va dire ça comme ça. La police, la maman, qui m'a tapé le titre. Diouena, voilà, Raya t'aït les Diouena. N'amre drous, qui m'a dit. On t'a dit qu'il y a drous, t'amle, ou alalé, le mu'alma, quoi. Mais voilà, mais je ne crée pas d'influenceur, en fait, derrière. Voilà.
Certainement, la question qui est très importante, quand on regarde les vidéos des Instagrammeurs, Reuze, etc., c'est, une question, c'est la question qui tourne autour de la crédibilité. Est-ce que vous acceptez tout produit proposé, voilà, toute collaboration? Je vais répondre à ma manière et je laisserai les filles répondre à leur manière par rapport à ce point-là qui est primordial et très important. La première chose dans une relation entre un influenceur et ses followers et sa communauté, c'est un contrat de confiance. C'est le premier pas. C'est pour ça qu'on va suivre telle ou telle personne ou pas, parce qu'on a confiance en elle. Confiance en elle, c'est-à-dire qu'elle va rentrer chez nous, en fait. Cette personne-là, elle rentre chez toi, elle rentre dans ton quotidien. Tu vas la suivre parce que tu aimes bien comment elle s'habille, ou là, tu aimes bien comment elle mange, ou là, comment elle parle, ou là, parce qu'elle chante faux, ou elle a rire. Donc, ce contrat-là, c'est le contrat principal et sans qui l'influenceuse ne serait pas présente. Donc, ce contrat-là, c'est la base de tout. Donc, quand il y a une demande pour collaborer avec une marque, la première chose, c'est que كما اي عبد انت كي باش تجي تشري حاجه ما تديك تجربها كما كي تدخل الان بوتيك باش تشري حمير باش تحطه على فمك تشوف كان اللون يناسبك التكستور عجبتك ولا غيره دونك لو برو يا ان بروسيس كي اي تري كلير سي دو تيستي دو غوتي ديسيي دو سنتير لو برودوي ولا لا مارك ولا لو ريستوران ولا غيره بور savoir si ça correspond à la personne en question qui est l'influenceur. Et par la suite, une fois que le produit, voilà, la marque a été validée, on peut passer à mettre en place un partenariat. Si le produit, on va parler de produit, si le produit n'a pas été validé par l'influenceuse, c'est pas parce qu'il y a de l'argent derrière qu'elle va communiquer à lui. C'est une base. C'est très très important ça pour le savoir. Certes, tu peux gagner beaucoup d'argent en parlant de produits qui ne sont pas du tout dans ton univers, mais ce n'est pas l'objectif. Il va regarder, il va dire qu'est-ce que là, celle-là, elle parle de ce produit-là. Donc, ça, c'est ma réponse par rapport à cette question-là. Et je vais céder la parole aux filles pour qu'elles répondent à leur tour. En fait, Ena, ma première réaction, c'était de dire parce que c'est. Là, je me dis, là, je vous dis, là, je ne prends pas de tous les partenariats, je parle de ma personne en tant que quelqu'un de très honnête. Mais réellement, elle sait à quel point là, je dis non, à quel point on est très sélectif. Donc, c'est pour ça que je dis, Manta Maïsa est mieux placée pour répondre à ça, parce que c'est elle qui gère ça. Et c'est elle qui sait, Manta, tawa, après Manta, plusieurs mois, presque, on a dépassé l'année, mais elle sait ce que j'aime, ce que je veux essayer, ce qui ne m'intéresse pas, ce qui ne me représente pas. Donc, ça facilite déjà le processus entre nous. Donc, elle sait quelles sont les demandes, elle dit directement, c'est pas possible. Et elle sait aussi c'est quoi les choses qui pourraient m'intéresser. Et elle sait aussi à quel point je dis non et à quel point il y a des choses, même s'il y a de l'argent derrière, je ne vais pas dire oui parce que juste ça ne me correspond pas. Donc, je rejoins Maïsa dans ça et je pense que là, il y a aussi... La même chose, voilà. Faut que le produit me plaise, faut que je. Il y a une chose qui me correspond aussi à mon style et à mon style. Il y a une chose. D'accord. Donc, kiff. Voilà, là on l'a entendu, c'est vraiment une question d'alignement. Je pense que pour commercialiser quelque chose, il faut vraiment être en accord, être aligné et être authentique et honnête. Sinon, les gens se perdent. Et une fois que la confiance est rompue, ben je pense que c'est là qu'on perd des gens et qu'on se trahit. Moi, je ne suis pas dans une démarche de commercialisation. En revanche, quand je suis des filles et que je vois qu'on me vend des choses avec des arguments qui sont faux ou qui ne correspondent pas à la personnalité de la personne que je suis, effectivement, je décroche. Donc ça, c'est un conseil qui est précieux pour vous. En tout cas, soyez alignés dans tout ce que vous faites. Ça, c'est dans le digital, mais dans la vie aussi en général. En fait, il y a aussi, à part l'argent qu'il y a dedans, je pense aussi à une question maintenant. La communauté d'influenceuses en Tunisie s'est tellement développée et c'est devenu un terme qu'on jette à n'importe quelle personne. Et ça ne dépend pas du nombre de personnes qu'elle a, ça dépend de l'influence, de son pouvoir d'influence. Ça n'a pas de rapport avec 10 000 abonnés. Voilà, c'est devenu un mot qu'on jette à n'importe quelle personne qui est suivie. Mais réellement, même si...
même si on est suivi par des millions de personnes, des fois, le cœur des personnes qui nous suivent ne sont pas réellement... Elles ne sont pas proches de la personne qu'elles sont en train de suivre, en fait. C'est juste un chiffre que vous voyez. Donc, l'engagement n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés. Et donc, des fois, moi, personnellement, je sais qu'il y a des fois où je refuse des partenariats, à part si le produit ne me correspond pas et tout. Il y a d'autres arguments de avec qui je vais être associée, qu'est-ce que cette marque représente réellement, est-ce que c'est une marque à laquelle j'ai envie de m'associer. Donc, il y a d'autres arguments à part juste je dis non juste pour dire... Voilà, donc... Voilà, donc il y a aussi une question de dire non pour des principes autres que le produit ne me correspond pas. Des fois, le produit me correspond, mais c'est une marque à laquelle je ne veux plus m'associer. C'est une marque qui a été associée à beaucoup d'autres personnes. Il y a des marques qui disent, je sais quand. Voilà, non, il y a des fois, même je vois avec mes amis, par exemple, on me dit, oh, tout le monde promouvoit la même chose maintenant. Donc moi, par obligation, je suis obligée de m'éloigner de ça parce que je me dis, bon, c'est bon, ce produit, tout le monde le connaît, tout le monde en a déjà parlé, donc Zeid, je rajoute encore plus. Donc, il n'y a pas que le fait de dire non parce que le produit ne me correspond pas, il y a d'autres arguments, mais ça vient du fait que la communauté d'influenceurs s'est développée. Donc ça, c'est récent. Je voulais juste vous dire, en fait, je pense que vous le savez déjà parce que vous êtes assez avancé dans la présence digitale, les influenceurs, etc. C'est vrai que c'est un métier qui existe depuis quelques années en Tunisie, qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, etc. Mais justement, le métier de Maïssa, c'est un métier qui n'existait pas en Tunisie, de justement réguler, d'avoir un respect pour l'influenceur et pouvoir le représenter auprès des marques. Donc moi, je voulais te féliciter parce que je n'ai jamais entendu parler de ton métier, en tout cas en Tunisie, de manager, d'avoir des agents. Et c'est essentiel parce que c'est un métier qui est très important, c'est un travail de tous les jours. Et je pense qu'avoir un agent comme un artiste, un chanteur ou autre, c'est extrêmement important pour la crédibilité et le respect de tout ce qui va se faire d'un point de vue commercial, etc. Voilà. C'est bon? Alors, en fait, Emine, je pense que c'est très important en fait nous nous allons choisir. Quand tu nous montres et a un nombre de followers ou alors et qu'on influenceur automatiquement. Quels sont les critères en fait? L'engagement sur la base de ces critères, on peut dire que c'est un influenceuse, etc. ou non? Autre que le nombre de followers maintenant. Tu as le nombre d'engagements, c'est ça qui est important. Tu as 2 millions de followers et en termes de vues sur story, tu as par exemple un tout petit chiffre. Quand tu viens à Tartar Abdikhr, tu as un peu nombre de followers, mais il touche plus. Il touche, c'est le taux d'engagement. Il y a le nombre de vues, donc il y a les statistiques. Tu as des chiffres qui ne correspondent pas à la même et à la personne qui a, par exemple, 2 millions de followers. Donc, c'est ça. Il ne suffit pas d'avoir un nombre kbir, il suffit de voir le nombre de likes, bien sûr, et le nombre de personnes engagées sur les statistiques par rapport à la photo. C'est ça. Et aussi, bien sûr, par la suite, les retombées aussi par rapport au produit ou bien la marque. Et bien sûr, aussi Mazouza, après chaque. C'est vrai, il ne suffit pas de dire à Nihdi. On fait les choses benidam, avec une facture, avec un rapport avec les statistiques. Et tu as payé cette personne, donc de ton droit, tu dois avoir ça. Donc c'est très très important. Le nom. Les statistiques, c'est. Ah, statut. Aïe. Et Vikazeda aussi, oui, je peux, bien sûr, je fais pas les choses comme ça. Hala Betinda, donc je fais ça légalement, je paye l'État, je paye mes impôts, je paye comptable, je paye. Moi, je suis Selim, je suis les influenceuses. Là où c'est beaucoup de. Ah, il y a.
En fait, pour revenir à ce que Ray a dit, on peut être influenceur, on peut être micro-influenceur. C'est ce qui est en vogue en ce moment. C'est des personnes qui ont 5 000, 4 000 abonnés, mais qui sont très ciblées. Et donc, ça représente beaucoup d'argent pour les marques. Et c'est pour ça que des fois, les gens sont choqués par les montants qu'on paye les influenceuses. Mais c'est logique parce qu'on se dit si la marque elle arrive à toucher son cœur de cible, les personnes qu'elle veut vraiment cibler, il n'y a pas de meilleur moyen que de passer par quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être impressionné par des personnes qui ont 1 million d'abonnés, 900 000 abonnés, mais qui réellement, si elles sont en train de promouvoir du maquillage, elles sont suivies par 60% de garçons. Donc ça ne colle pas. C'est pour ça que des fois, on dit « Oh, elle a beaucoup d'abonnés, elle doit être payée, tu as beaucoup d'argent. » Mais non, ça ne dépend pas du nombre d'abonnés, ça dépend, comme elle a dit, du taux d'engagement, mais aussi ça dépend de à quel point la marque à travers elle peut toucher l'audience qu'elle cherche à toucher. Voilà. Alors, donc je vais revenir sur le point de l'engagement. Effectivement, c'est pas plus un de followers, plus tu vas être influenceur et super bien payé. Non, pour la simple et unique raison que des fois, la première formule, tu peux acheter des followers. C'est très facile, hein. Y a Instagram ad, tu achètes des followers, et au revoir et merci. Donc c'est un prorata en fait qui fait que, par exemple, sur 1000 personnes, combien de personnes sont vraiment fidèles à toi, sont sensibles à ce que tu vas dire. Et donc ça fait un quota de personnes sur 1000. Si tu touches 500, c'est déjà très bien. Tu as 50% de ta population qui est en train de te suivre, qui est en train d'adhérer à ce que tu es en train de leur dire. Et donc une marque en elle-même peut toucher directement. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui ont des millions de followers, mais qui touchent finalement alors qu'une autre personne, comme un micro-influencer, peut avoir 2000 followers, mais impacter sur ces 2000-là, en fait. Il peut vraiment impacter dessus. Donc, ça, c'est un point très important. Sinon, ça met le cathare au col de barca. C'est pas autrement. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, par rapport au point de vue juridique, ça a été déjà posé parce que comme question, donc je vais y répondre et je pense qu'on reviendra dessus. Donc, par rapport au statut des influenceurs, pour ma part, les influenceurs avec qui je travaille sont des influenceurs qui payent leurs impôts, qui présentent une facture et qui sont en règle par rapport à le Daoula Tounsay, on va dire ça comme ça, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, parce que les gens pensent que voilà, tu deviens influenceur, terre de flous, feu noir ou au revoir et merci. Non, c'est des gens qui ont des entreprises. C'est des gérants d'entreprises, quoi. C'est des directrices d'entreprises qui travaillent, qui ont un chiffre d'affaires, qui ont des loyers à payer et qui ont toutes des factures à payer comme tout le monde. Au CNSS. Donc voilà, c'est pour éclaircir ce point-là. C'est vrai qu'au début, c'était un peu brouillon parce que c'était pas évident. Mais après, il faut, quand on décide que ça va devenir un métier, il faut le faire dans les règles de l'art, parce que dans tous les cas de figure, matajem je t'attends ma de grandes marques, quoi, la ma de grands groupes, si derrière je trouve les brabizou comme de homely en espèce, la ni ma dit je fatoura pour qu'à demain, c'est pas possible. Ça reste brouillon en fait à la fin. Donc je voulais éclaircir ce point-là. Voilà. Très bien. En fait, je habite l'email. On parlait beaucoup des aspects commerciaux, etc. Des choses, je dirais, mais dans votre cas, vous n'avez pas de revenus, je pense, fixes, je ne sais pas réellement, mis à part le trip site, les voyages, mais pour les astuces que vous donnez sur YouTube, etc., ou sur Instagram, est-ce que avez-vous déjà pensé à développer ça pour avoir des revenus, je dirais, quoi? Alors, Manny Gilliger, le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est justement un concept audiovisuel humoristique. Mais c'est aussi un moyen de conscientisation sur le développement personnel. L'idée pour moi, c'était d'allier le développement personnel et l'humour. Moi, je me considère pas comme influenceuse parce que j'ai jamais eu pour objectif d'influencer les gens et j'ai jamais eu de légitimité pour moi à influencer les gens. Le seul message que je souhaite passer aux gens, c'est l'émancipation de vous-même, en fait, dans ce que vous regardez, dans ce que vous consommez. Et je reviens rapidement sur suivre une nana qui fait 1 million ou 2 millions parce qu'elle a fait 2 passages à la télé, c'est votre problème, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément qualitatif et que ça va vous amener une valeur ajoutée.
Ensuite, pour ce qui est de ta question, le Many Gilliger, justement, Internet, ça a été, les réseaux sociaux ont été une porte d'entrée et surtout un moyen de rendre un projet personnel visible de tous. Aujourd'hui, j'ai des propositions de production, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont en construction et ce sera à moi de voir si je veux concrétiser le projet pour le rendre accessible un peu plus à tous, etc. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est un projet qui est très perso. Je ne le fais pas spécialement pour l'argent et je m'épanouis beaucoup là-dedans. On verra ce qui se passe par la suite. Je t'en prie. Je pense que j'ai posé pas mal de questions, je dirais, mais on aimerait bien vous entendre, en fait. If you have any questions. Vos questions. Quel est comme souhait ou la asla, majmoua souhait. Oui, non, si. Donc c'est pour Rayou. En fait, pour C'est Fraîche, est-ce que vous avez eu l'idée, c'était votre idée à vous, ou bien est-ce qu'on vous a contacté? C'est pas grave. Donc est-ce que vous avez eu l'idée Intouma? Voilà, est-ce que en fait on vous a contacté pour ça? Parce qu'en fait, vous deux, vous avez compris ma question. Donc C'est Fraîche. Ou est-ce que tu trouves que tu as pu influencer les gens tant pour qu'on puisse acheter Akthar C'est Fraîche? Parce que moi, je n'ai connu que la marque Bad Merit Randekunti, sachant que la marque, elle existait avant. Voilà, c'est ça la question. C'est pas la... C'est pas la marque, elle a eu l'idée, donc c'était une idée, c'est une idée de Marzouza et moi. On a pensé à la chose, elle m'a dit pourquoi pas, C'est Fraîche, ils font de bons produits, on leur propose et ça s'est fait comme ça. Donc c'est pas la marque, plutôt Ahna. Donc on a pensé à la chose, ils n'ont pas dit oui et tout le produit a été fait et pensé dès le début. Et non, c'est toute l'équipe, le packaging, le choix des arômes, l'illustration, Kolchai. Donc je pense que oui, à travers ça, la marque, elle a eu beaucoup de visibilité, surtout que Bach Abed Mekenou Sharfoua, ou en a menhom, parce que c'était un nouveau produit où commençait à se développer. Et pour moi, franchement, je trouve que si j'ai collaboré avec eux, c'est que la marque m'a plu et le produit aussi, vu que c'est un produit tunisien. Et voilà, et je suis très très fière de cette collaboration-là qui continue avec une édition limitée en gardant les mêmes arômes, odeurs. Arôme aussi, on peut dire. Parfum. Odeur, arôme. Liho, fartaja. Femtouni. Je t'en prie. Test. 1, 2. Alors c'est une question, hein? Allez, c'est bon. Ah d'accord. Alors c'est une question liée comme le col. En fait, vous avez parlé de ce pouvoir d'influencer les gens ou cette crédibilité, par rapport aux produits qui trouvent la bête. Par exemple, ce produit il est bien, imchi ou ishri ou et tout. Donc je voudrais savoir qui fait chnachlat le stade d'éveka pour pour convaincre les gens. L'Iran, je suis crédible, vous pouvez me faire confiance et tout. Merci. Ou on l'a ou on l'a pas. C'est venu comme ça. Il n'y a pas de règle pour dire non. La confiance s'instaure petit à petit, comme dans chaque relation, dans un couple, dans l'amitié. La confiance dit bechoya bechoya. Donc ça s'est travaillé sur des années pour arriver à ce stade-là. Non? Oui, bonne réponse. Hein?
Moi, j'ajouterais juste à ce que Raya vient de dire, en étant vous-même, en fait. C'est vraiment, il n'y a pas de recette miracle. Il faut être soi-même, il faut être authentique et vrai. Il faut être sincère. Une fois que les gens sentent la sincérité, ils vous suivent, ils ont envie de vous croire et ils ont envie de faire ce que vous faites ou d'imiter certains de vos comportements de consommation. En fait, moi, je pense, effectivement, on l'a ou on l'a pas, mais je pense qu'on peut l'avoir. Je pense pas que c'est un truc, tu es né avec, voilà, tu n'es pas né avec, c'est un truc qui vient, voilà, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, c'est faisable, mais c'est pas facile, c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas, c'est pour ça que beaucoup de gens en cours de chemin, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent en cours de route, il y a beaucoup de personnes qui perdent l'envie, c'est très facile dans ce domaine d'oublier ces principes, de dire « Ah non, c'est de l'argent facile, c'est bon, je vais dire oui ». Mais prendre la bonne décision à chaque fois, dire non quand il faut dire non, faire les bonnes décisions même quand personne ne nous voit, hein, parce qu'il ne s'agit pas de dire non et de le dire après, moi je dis non et j'ai des principes. Non, c'est de faire ça au quotidien, à chaque fois que tu as l'opportunité de faire ça. Et donc ça se voit. Moi je remarque des gens qui... je me désabonne en fait de personnes et je sens qu'ils ne sont pas sincères parce que ça se voit et je me dis comme ça s'applique à eux, ça s'applique à moi. Donc je suis obligée de prendre les bonnes décisions parce que j'ai envie de continuer en fait à avoir la confiance de mon audience. Donc il faut avoir la motivation de le faire en fait. Il faut avoir une motivation pour garder cette confiance le plus longtemps possible. C'est bon. Un, deux. C'est un. Alors, Madame Maïssa, on sait très bien que vous êtes la première femme manager des influenceuses en Tunisie. Donc, je tenais à vous féliciter parce que franchement, c'est une fierté après tout. Est-ce que vous trouvez que est-ce que c'est venu à Keka ou là vous avez fait des études? Voilà, vous avez. Est-ce que quand c'est venu vers vous, si par exemple vous n'avez pas fait d'études, est-ce que vous avez stressé avant de faire ça? Vous avez fait vos recherches ou... Non. Ah, c'est bon. Pour répondre à ta question, déjà merci beaucoup, Yatik Saha. Donc pour répondre à ta question, comment c'est venu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est venu vraiment par pur hasard. En fait, qu'on en parlait avec Raya et petit à petit on a développé ça. Est-ce que Teba Kraïti, elle était orientée vers tout ce qui est communication, tout ce qui est événementiel, relations presse, relations publiques et marketing. Donc oui, je baigne un peu dans ce monde-là. Je ne suis pas coach de la banque, comme je suis manager. Donc je connais un peu ce monde-là, je suis dans ce monde-là, j'évolue dedans. Donc peut-être ça a facilité les choses, oui. En ce qui concerne la formation et comment apprendre le métier, il y a toujours des recherches à faire, il y a toujours des choses à voir, des bouquins à lire, des vidéos YouTube à regarder pour essayer de voir comment ça se passe et comment le faire pour que tout se passe comme il faut et que la relation surtout reste avec les différentes personnes que tu manages. Après, la base de ce métier-là, c'est la relation que tu as avec des personnes. Il y a des personnes qui sont venues me voir et avec qui je ne peux pas travailler parce qu'il y a beaucoup de confiance qui s'installe. C'est toute une relation que tu as avec une personne, qui m'a une amie, voilà, une petite amie, voilà, un petit ami, voilà, Rajlik, voilà, Riro. Donc, c'est vraiment une relation que tu as en plus d'être le manager, tu as une relation qui va être, on va dire, fusionnelle, parce que tu es derrière tous les jours, quoi, on ne va pas se mentir. Je te parle par expérience. Donc, du coup, il faut que toi et la personne, vous soyez aussi dans le même état d'esprit, et que vous voyez les mêmes choses, qu'il y ait une connexion, quoi. Parce que sinon, c'est pas possible. Donc, voilà comment j'ai fait pour faire évoluer ça. Voilà. Non, je n'ai pas fait d'études pour ça, non.
تيست. انا حبيت نسال سؤال vis-à-vis le métier émergent هذا جديد. حبيت نسال متى فوفو سيتوي او مبينات لي برينسيپ ايتيك و الرنتابيليتي ولا لو في دتر رنتا لو في دتر ايتيك هما اللي تكون رنتابل معناها في المتي هذا. Donc par rapport à ça, la première chose pour nous c'est l'éthique. On est dans la bienveillance la plus totale pour respecter aussi bien les demandes des marques que l'état ou voilà, les conditions à l'influenceur pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. La rentabilité, certes, il y a une rentabilité, mais elle va venir en deuxième lieu. C'est-à-dire que est-ce que tu peux travailler avec eux, un budget de temps pour travailler, mais je ne peux pas dire ça, je peux aller faire ma barche à flou, c'est la nuit moi. Non, parce que ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le. Quand je crois que c'est, il faut être vraiment en symbiose avec la personne avec qui tu travailles, parce que des fois, moi, des fois, ça m'arrive de dire non, là, je ne travaille pas avec la marque Hérima, parce que il y a des valeurs, il y a une éthique derrière qui fait que ça va pas très bien se passer. Donc voilà. Et après, la rentabilité, elle vient après. Donc on est des managers. Tfarjo fait la série 10 sur 10. Voilà, je vous la recommande vivement pour comprendre comment les managers. 10%, voilà. Et donc. Appeler mon agent, exactement. Sur Netflix, donc c'est des systèmes de commission sur les différents contrats. Ça fonctionne comme ça, pour répondre à cette question-là. Et puis, pour tous les détails, tu fais série, tu as comme je veux le col. Donc, voilà. Par exemple, une marque de lentilles. Donc non, c'est les mandi hlo. Donc c'est des exemples de voilà de produits ou bien de produits qui te vont pas, qui tu les consommes pas autant que consommateur, donc tu dis non parce que non sbira man sbar sha'ri miraya ki jik le hlou abat li lina parce que moi je mange du hlou, on me propose pas ce genre de choses, c'est pas normal. OK. En fait, à part ça, femme a certains partenariats. C'est une question de. À part ce que tu ne consommes pas, c'est une question de principe. Et aussi, des fois, tu ne veux juste pas t'associer à la marque parce que tu n'apprécies pas sa manière de fonctionner, tu n'apprécies pas sa manière. Ça peut être à l'échelle internationale. C'est une marque qui n'a pas. Les principes de la marque ne reflètent pas tes principes. Donc, tu dis non. Voilà. Donc, et je pense que la rentabilité, elle vient à long terme, parce que, Kima, on a dit, la confiance, c'est sur du long terme. Celui qui veut faire ce métier, c'est pour du long terme. C'est pas pour faire, c'est bon, en plein, je vais gagner ma vie avec ça, et après, c'est bon, on va m'oublier. Non, c'est un truc qui se fait à long terme, et c'est comme ça. D'ailleurs, ça permettra de filtrer dans quelques années. On verra, les gens qui sont réellement passionnés de ça, et qui sont restés à travers les hauts et les bas, les jours où il y avait des revenus, les jours où il n'y en avait pas, le jour où il y avait, on était apprécié, le jour où tu reçois des critiques. C'est à travers toutes ces épreuves qu'on verra à la fin, c'est qui les personnes qui sont réellement passionnées par ce travail, et c'est qui les personnes qui le font juste pour avoir de l'argent, et après, c'est bon, j'ai plus besoin d'être sur cette plateforme. Voilà. Elles ont tout dit. Nascut. Bonjour. Donc la question c'est pour Madame Maïssa. J'ai découvert un truc avec vous aujourd'hui, votre métier, que je trouve super intéressant. Donc je veux savoir concrètement, une entreprise qui a un produit à vendre, est-ce qu'elle vous contacte vous, est-ce qu'elle contacte les Instagrammeuses, comment ça se passe concrètement, et comment c'est votre tarification, c'est par rapport au nombre de followers, c'est par rapport à comment vous allez m'orienter vers quelle influenceuse et pas une autre. Comment concrètement on procède en tant qu'entreprise? Voilà.
Alors, comment ça se passe? Dans un premier temps, comment ça se passe une marque? Elle va contacter l'influenceur. L'influenceur rend les réseaux sociaux météo avec une adresse email qui est claire. Le message par message privé, donc ils reçoivent une demande. Cette demande-là, elle retombe chez moi et je vais traiter directement la demande. C'est-à-dire, par exemple, tu peux te faire un email, tu peux te dire, je veux le jour ou la rime, j'y ou le maktab hadi, par exemple. Donc, je vais traiter la demande, je vais répondre à l'email, je vais traiter la demande et je vais à moins que ce soit quelque chose qui soit vraiment par la force du temps, on sait maintenant si ça correspond ou pas. Des fois, je réponds non, je lui dis là, j'ai répondu non parce que là, ça ne te correspond pas du tout, ça ne sert à rien. Donc voilà. Et une fois qu'on a traité la demande et qu'on met en place une réunion, en fait, ça se passe comme dans une entreprise, comme iSherik, Abushtarmel, iProject. On va mettre en place une réunion pour comprendre exactement le besoin du client. Donc on a deux versions. La première version, c'est le contact direct avec l'influenceur. Elle dit, ouais, Hedeka, c'est très clair. Il demande tel influenceur pour tel produit, pour tel projet, pour tel objectif. Hedeka, on le traite, si c'est oui, si c'est non, et on avance. One, le deuxième point, c'est une marque qui va venir nous contacter directement en tant qu'agence pour mettre en place une stratégie d'influence, c'est-à-dire elle a un produit spécifique. Et elle souhaite toucher une cible spécifique. Donc, en fonction de la marque, en fonction du produit, des objectifs et de la cible qu'elle souhaite toucher, on va mettre en place une stratégie d'influence. C'est-à-dire, on pourra lui dire, là où cet influenceur-là touche telle et telle catégorie de personnes, telle et telle région, par exemple, telle et telle tranche d'âge. Et on va commencer petit à petit et son budget est aussi important pour savoir aussi combien de personnes mettre dans ce dossier-là. Et on va travailler avec lui de cette manière-là pour mettre en place la stratégie d'influence. Et donc là, on va dire, par exemple, il va choisir X et Y. Et on va travailler avec X et Y parce qu'ils correspondent en fait au produit et à sa cible, lui, directement. Donc, voilà. D'autres questions ? Donc, vous avez beaucoup de followers au col. Certainement qu'il y a beaucoup de menaces, d'inconvénients. J'imagine, quoi, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a des avantages certainement, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Quoi. Bien sûr, il faut être assez conscient que c'est un travail qui a beaucoup de points positifs. Comme Bach a des points négatifs, parce que quand on le veuille ou pas, on s'ouvre vers les gens, donc on se met un peu à nu devant les gens, d'Arloum Choya dans notre quotidien, dans notre vie, donc ils connaissent un petit peu ce qui se passe, et ça peut être, faut vraiment savoir comment se protéger des réseaux sociaux, parce que c'est bien au col, mais ça a beaucoup de points négatifs. Il faut être assez mature aussi pour arriver à un stade. Il y a des points positifs et négatifs, bien sûr. Donc, il faut être assez mature pour savoir se protéger un petit peu. Et il faut aussi avoir un caractère assez fort parce que on peut s'attendre à tout, comme c'est beau, mais comme ça peut ne pas être beau du tout. Il faut vraiment être bien, bien préparé pour rentrer dans les réseaux sociaux. Qui m'encote que c'est beau, mais ça peut. T'as jamais de la ligue, t'as de club à ligue. Et si tu n'as pas vraiment le bon souffle et du recul et de la maturité pour savoir gérer ça, ça peut te casser. Donc, oui, plus et négatif. Alors, moi, je suis moins suivie que Rim et Raya, donc j'ai forcément moins d'interactions et moins de conséquences. En revanche, je pense qu'il faut prendre du recul avec les compliments, donc tout ce qui est positif, et les désagréments, ce qui peut être insulte et autres. Parce que quand on prend de la distance, on arrive justement à faire la part des choses et à se dire, ben, moi, j'expose ce que je veux. Les gens ont une opinion, ça, on n'a pas la main là-dessus. Les gens ont toujours une opinion.
on s'expose, c'est un parti pris, et malheureusement, on a du positif et du négatif de ça. Je pense qu'il faut le faire en se disant, ça n'aura pas de conséquences de toute façon sur mon travail, et encore une fois, ça revient à si je suis authentique et si je suis ce que je suis. Après, c'est vrai que l'aspect psychologique, moi, je m'intéresse beaucoup sur les gens qui commentent ou qui sont pas contents de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils ont la possibilité de changer de chaîne, mais ils restent, ils te surveillent, ils te suivent et ils t'insultent, etc. Ça, je pense que c'est des cas de psychiatrie très profonds. Et je pense que des psychiatres devraient s'intéresser à ça. S'il y a des psychiatres... Voilà, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ça. Et si ça ne vous plaît pas, je vous encourage à ne pas faire de commentaires négatifs. Il y a quand même un être humain derrière un profil. Je vois beaucoup de méchanceté en Tunisie. Moi, alhamdoulilah, je n'ai pas beaucoup de gens qui sont méchants. Peut-être qu'ils se disent « Matefem, je suis mesquine ». Mais c'est vrai, peut-être qu'ils se disent « Elle ne va pas comprendre de toute façon ». Je pense que les gens ont besoin de se soigner, les gens qui sont méchants sur les réseaux, je pense qu'il ne faut pas toujours se taire, Raya, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des gens qu'il faut recadrer aussi, et qu'il faut, voilà. Donc je pense qu'il faut se protéger, comme tu disais, mais il faut aussi dire aux gens... Exactement. Mais des fois, ça peut être blessant, on est aussi des humains. Voilà. Il faut être armé, ouais. En confiance aussi. Rim, est-ce que tu veux En fait, à part les points négatifs, Hedouma, je pense que d'abord, si on se met dans la tête que c'est un métier comme un autre, vu que c'est ce qu'on cherche après tout, c'est à ce qu'on nous prenne au sérieux, qu'on se dise c'est un vrai métier, que c'est un vrai, c'est quelque chose de vrai. Donc si on prend ça, si on prend les choses comme ça, comme c'est un métier, ça a ses avantages et ses désavantages, déjà ça va dédramatiser la chose. Ensuite, le deuxième truc, c'est que moi, les commentaires négatifs, à la limite, ça va, je n'y prête pas attention, j'en reçois rarement. Mais par contre, ce qui me dérange dans ce métier, c'est la perception en fait, qu'on a des influenceuses. Je sais qu'en ce moment, c'est très particulier en Tunisie, parce que comme les personnes qui essayent de devenir influenceuses, qui font du mal à ce domaine, il y a beaucoup de choses négatives qui sont en train d'arriver dans ce domaine, donc c'est plutôt la perception qui me dérange, moi, dans le sens où on m'associe directement à ce genre de personnes. Par exemple, je viens de commencer un nouveau travail, un vrai travail, entre guillemets, et au bureau, j'ai l'étiquette de l'influenceuse, alors que c'est pas nécessairement une étiquette positive pour eux. Moi, je sais ce que je fais, je sais que les gens avec qui je m'entoure, c'est des gens qui sont vraiment sérieux, qui sont vraiment honnêtes, qui sont vraiment crédibles. Mais malheureusement, dans la société aujourd'hui, on a une perception très négative des influenceuses. Donc, je pense qu'au quotidien de cette conférence, c'est de montrer qu'on a quelque chose dans la tête, on n'est pas juste des personnes qui n'ont rien à faire de leur journée. C'est vrai, on parle maquillage, ambiance, jaou et tout, mais réellement, on a tous... Voilà, on a tous fait des études, on travaille, on veille tard le soir pour réussir. Donc, c'est vrai que les gens, des fois, sont un peu étonnés. On sait parler d'autre chose que des sujets qu'on aborde sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est juste une image, c'est un job que tu fais. Tu te réveilles le matin, tu as un contrat avec une marque, tu remplis ce contrat, que tu sois triste, que tu sois malade, que tu sois tu fais ce contrat. Et donc, je pense que c'est la perception qui me dérange le plus. Et c'est pour ça que, à travers mes posts, des fois, je peux paraître un peu agressive envers les autres, mais c'est juste parce que je veux protéger cette image, parce que je sais qu'il y a du bon dans cette communauté et qu'il faut que ça soit le bon doit être plus fort et faire plus de bruit que le négatif. Il y a un point que je souhaite souligner. Que tu viens d'aborder, Rim, c'est le fait que influenceur, c'est un métier. Wallahi, pour être honnête avec vous, et Nabi dit au début, j'étais un peu sceptique. Je vais vous raconter mon histoire. J'étais un peu sceptique et j'étais là, mais réellement, c'est un métier. Parce que derrière les stories et les photos que l'on voit, c'est un être humain qui est assez haut, qui est assez bas, parce que nous, on se réveille tous le matin, des fois, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de partir au bureau, on n'a pas envie de s'habiller, on n'a pas envie de se maquiller, on n'a pas envie de faire beaucoup de choses. Des fois, quand c'est ton métier, tu ne peux pas te permettre de ne pas faire des choses ou d'en faire d'autres. Donc, du coup, c'est réellement un métier, et c'est réellement un métier
où il faut être vraiment passionné pour le faire, parce que si tu n'es pas pour être très clair, une story, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Une photo, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, c'est réellement un métier. C'est un métier qui se respecte. C'est un métier qui, comme tout, et là, je l'assimile à un nouveau média, en fait, qui m'a nommé un panneau publicitaire, ou qui m'a nommé une insertion dans un magazine, ou une bannière sur un webzine. C'est un nouveau canal qui permet de mettre en avant un produit, une marque, ou voilà, de découvrir aussi une personne. Hein. On peut ne pas voir le côté commercial de la chose, avec qui nous permet de passer un bon moment, parce qu'elle nous fait rire, parce qu'elle nous fait pleurer, parce qu'elle est gauche, ou voilà, parce que voilà, rire. Donc, c'est réellement un métier qui, Inch'Allah, devra être respecté et doit être respecté. Et il faut juste aussi faire attention à quelque chose, à ne pas mettre tout le monde dans le même panier, en fait. Et à essayer de faire la différence, parce que de toute manière, comme Rim l'a si bien précisé, d'ici quelques temps, et on verra les gens qui font ça de manière passionnée et qui sont passionnés par la chose, et les gens qui l'ont fait juste pour la part du gain, pour pouvoir recevoir des produits gratuitement ou être invité à un déjeuner gratuitement. Donc voilà, je voulais éclaircir ce point-là. Maïssa, en fait, quelles sont les étapes qui permettra entre autres de valoriser ce métier. Donc, trail, c'est le rôle de Maïssa de mettre en valeur. Wallahi, oui, en fait. Oui, je pense que je suis bien placée pour mettre en valeur ce métier-là parce que moi, je suis en front et en back-office, en fait. Donc, je vis avec la personne. Donc, du coup, tu vois réellement que derrière, là, c'est une personne. Là, quand elle reçoit un message négatif, qu'on le veuille ou non, que tu bloques ou non, tu ressens quelque chose. Et quand il y a du bonheur, c'est aussi du pur bonheur, réellement, hein, parce que ça te permet de rencontrer des personnes qui sont magnifiques, de faire de très très belles connaissances, que ce soit Fetoun, soit l'Albarra ou l'Ariru. Et donc, en fait, c'est un très beau métier d'ailleurs, c'est un très très beau métier. Mais oui, c'est vrai qu'il faut, il faut le crédibiliser, il faut le placer. Pour être honnête, moi je suis en train de faire plein de choses pour essayer de crédibiliser ça à ma manière, à mon échelle, à ma sauce. Dans tous les cas de figure, maintenant c'est installé. On appelle blogueuse, on appelle influenceuse. Mais là, on essaie, là justement, ces conférences-là nous permettent réellement aussi de montrer que là, c'est un métier, qu'il y a des choses à faire derrière. C'est pas qu'elle marque ou hammer ou aller chez l'événement ou aller stade avec le voyage ou c'est pas tout est beau, tout est rose tout le temps. C'est pas ce qu'on voit réellement à travers les réseaux sociaux aussi, quoi. Donc du coup, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça et pour dire que c'est réellement un métier. Qui m'a banqué, j'ai travaillé dans une banque, tu as trop de flous, ou la trajet, tu as un chèque, ils sont boulot. C'est un métier, c'est un nouveau métier. Ou bien, dis-moi, les nouveaux métiers ont tendance à prendre un peu de temps pour que les gens les acceptent. Mais ce temps-là viendra, incessamment sous peu, j'en suis sûre. Pour rebondir sur ce qu'elle a dit, je pense qu'une partie du processus pour rendre ce métier crédible, c'est d'être transparent et surtout, les influenceuses, c'est à nous de réaliser que c'est vrai, on est dans une position privilégiée, on est dans une position où c'est pas le cas de tout le monde de recevoir des trucs gratuitement, c'est pas le cas de tout le monde de voyager gratuitement. Si on réalise qu'on est dans cette position de privilège, je pense que ça nous permet de mieux expliquer ce métier, d'être transparent avec les gens qui nous suivent, d'expliquer qu'on est consciente que c'est un avantage d'avoir ce rythme de vie, mais aussi de montrer qu'il y a des désavantages à ce genre de vie. Et donc ça fait partie du processus de crédibiliser ce métier, c'est de pas le rendre comme un truc tabou. Non, je parle pas d'argent, non, je parle pas du nombre d'abonnés, Non, c'est un métier comme un autre, c'est un travail, si tu te fais payer, c'est pas une honte, c'est que tu as travaillé pour ça. C'est vrai que maintenant dans la société, les influenceuses sont payées beaucoup plus que d'autres métiers, mais si on se rend compte qu'en fait on est payé parce qu'on a ce pouvoir intangible d'influence, c'est ça qui coûte de l'argent, en fait. C'est pas l'action, c'est pas la fatigue physique de je vais parler de ce produit, ça me prend 10 minutes de parler d'un produit, mais c'est le fait d'avoir la possibilité et le pouvoir d'influencer, c'est ça qui n'est pas donné. Tu n'es pas payé pour ton effort physique ni ton effort mental, surtout dans le cas du make-up, tu es payé parce que tu es capable de drainer du trafic vers une marque, de donner plus de visibilité à une marque. Donc ça, je pense que ça mérite d'être payé quand même. Oui, certainement. D'autres questions peut-être? Non, comme tout le monde? Non?
Et j'ai un question philosophique, instagrammeuse, whatever we say. I don't know how we call this. Est-ce que سمعتك ما يسقبيلا قلت انه ساعات تعبيري يقوم في الصباح للانستغراميز ما عندكمش هكا لانفي باش تعملوا حاجات كيما هكا est-ce que تتخيل في الجوب ديسكريبشن بوتيت نهار اخر نتاع نتاع الخدمه هذيا جيساي دو دافونسي على الاخر لوغ لا تكون موجوده انه يكونهم عندهم مشاو عملوا ديجا دي كور في التياتر نعرف تظهر بيزار كيسيون على الاخر مي est-ce que تنجم تكون حاجه مطلوبه لقدام راه تنجم 10 سنين قدام تقول والله ذكرني هذيك والله يا نور اخفي باش ينجموا يقوم في الصباح وهي ما عندها مشكله عندها حاجه اكسترا اي مالغري سا تشد وتخدم على روحها خاطر اللي يخدم في بنك ينجم يكون في بيرو مسكر على روحه ما راحت على كو هي باش تحل وباش يراوها ملايين لعبات pour répondre à ta question on va dire ça comme ça en fait et je préfère que cette personne là si elle est pas dans un bon mood de ne pas passer ce mauvais mood là et ça va se voir si cette personne là est bien sûr naturelle parce que on peut tous jouer la comédie on peut tous sourire rigoler dire mais là où ça se sent quand tu as des gens qui te suivent depuis un certain moment ça se sent ça se voit donc il vaut mieux le dire j'ai pas un bon mood au revoir et merci ou Khalid ni mankalam sur la hajet li mazmich nahki alayhom plutôt que de jouer une comédie parce que la comédie se sent on en a besoin la comédie certes mais elle se sent. Donc, des cours de théâtre, mais ça peut être sympa parce que c'est une activité qui est très sympathique, qui permet d'apprendre à prendre la parole en public, qui permet de jouer différents rôles. C'est épanouissant. Mais pour le faire pour les réseaux sociaux, ça se sent. Si tu es naturel, ça se sent. Je pense qu'il ne faut pas oublier que être derrière une caméra, ce n'est pas comme être exposé à des gens dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui sont très à l'aise derrière une caméra, mais qui ne sont pas du tout à l'aise quand ils sont avec les gens en société, qui ont un réel malaise, en fait, un réel, je ne sais pas si c'est un handicap social, mais pour certains, oui, ça peut être le cas. Donc c'est aussi un refuge derrière la caméra, ils se permettent certaines excentricités ou certaines choses. Pour ce qui est de ta question, pour répondre à ta question, moi, je ne pense pas que les cours de théâtre, comme disait May, ça c'est bien en général pour la confiance en soi. Donc si vous avez l'occasion, je vous le recommande. En revanche, je ne pense pas que ce soit qu'on joue un rôle quand on est... Moi, il m'arrive de dire, écoutez, je n'ai pas envie de parler en ce moment, je ne suis pas très bien, mais comme j'ai envie de vous donner des good vibes, je reviendrai dans quelques temps. Et ils le comprennent parce qu'eux-mêmes traversent ces choses-là. Et ils ont conscience qu'on n'est pas des machines, on est des humains, qu'on est vrai. Et quand on le fait poliment, avec respect, les gens le comprennent et le respectent. Je pense qu'il faut l'imposer. En fait. Pour revenir à ce point-là, certes, tu as des contrats, mais on n'est pas sur des contrats comme à la banque où tu dois fermer la caisse à 16h30, voilà, des points comme ça. On est certes sur des contrats avec différentes choses à faire, mais on va pas avoir des contrats à part quand tu as vraiment un événement qui a une date spécifique, voilà, un voyage qui a une date spécifique. À part des points comme ça, on n'est pas sur des partenariats qui vont être allez, لازمك نهار الاثنين ماضي ثلاثة تعمل الفازة هذيك. Non. Non, parce que de toute manière, ce n'est pas naturel. Et il faut que la personne. Après tout, انت تتعامل مع عبد. العبد هذيك باش يعدي معلومة, il faut aussi qu'il soit dans son mood, il faut qu'il soit. Je ne compte pas, 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 non. Tu vois? J'essaie de le faire, mais ça ne marche pas. Mais voilà, des fois, tu te réveilles, tu n'as pas envie de te maquiller, je comprends. Mais dans le sens, on ne va pas s'arrêter à ça, en fait. Donc, voilà. Je rajoute Bardekena. Mais je pense que c'est un métier qui a l'avantage où tu fais des trucs devant la caméra et tu fais aussi des trucs derrière la caméra. Donc, les jours où ça ne va pas, à la limite, tu es un entrepreneur, tu es ton propre boss en quelque sorte. Donc, les jours où ça ne va pas, tu vas éditer une vidéo, tu vas penser à des concepts, tu vas faire une session de brainstorming entre toi et toi. Et Manta. Voilà, c'est un métier qui a beaucoup d'avantages dans ce sens-là, où c'est vrai, tu es maître de ton temps, tu décides ce qu'il faut faire, et tu n'es pas obligé de faire ce que tu n'as pas envie de faire, en quelque sorte. Donc, les jours où ça ne va pas, tu fais autre chose. Voilà. Ajoute. Ça fonctionne, c'est bon. Juste ajouter une chose, c'est que souvent on voit des blogueuses
recevoir des produits, partir en voyage, et on se dit « Ah, mais quelle chance !» et tout. Il n'y a absolument aucun facteur chance, je pense. C'est vraiment basé sur la méritocratie. C'est vraiment des filles qui le méritent, parce que ce n'est pas toutes qui reçoivent des produits de qualité, ce n'est pas toutes qui ont la chance de représenter des agences de voyage ou d'être invitées à l'autre bout du monde. Encore moins en Tunisie, on est un petit marché, il faut être réaliste. Il y a des nanas qui ont beaucoup plus de visibilité à l'autre bout du monde. Donc quand c'est une Tunisienne qui a la chance d'aller, je ne sais pas, en Asie ou ailleurs pour représenter la Tunisie, ce n'est pas de la chance, c'est du travail. C'est qu'elle le mérite réellement. Voilà, c'était important pour moi de le dire. Merci beaucoup. Juste pour clôturer, quel est un mot à dire, voilà des projets. Non, après, il me tape sur les projets à venir. Je trouve que tu as besoin de t'entraîner au coup de quel est un des projets. Voilà, exactement. Oui. Hein? Il est déjà collé. Hey, j'ai pas parlé de ça parce que je m'appelle Zaid. Oui, j'ai pas parlé. C'est très bas, mais j'ai récupéré la classe 16. Donc, no one. Les projets, oui, j'ai plein de projets en tête. Ou femme, inchallah. Et j'espère que voilà 2020 et la suite sera khir mli sair. Merci pour l'invitation. Moi, je voulais vous remercier encore pour l'invitation. Il y a plein de choses à venir, notamment dans l'humour, le stand-up. On espère en Tunisie. C'est encore un public qui est compliqué pour moi parce que le Tunisien, il a de l'humour dans la vie de tous les jours. C'est un humoriste de base. Donc, il faut se mettre à niveau. Et puis voilà, c'est Many Ways sur Instagram. J'espère vous revoir là-bas, sur l'espace Instagram. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses à toutes et à tous dans vos projets. Des projets, oui, il y en a. Suivez les filles, vous les verrez. Voilà, on va la faire simple. Inch'Allah, cette année, ce sera une belle année pour tout le monde. Je voulais vous remercier pour l'invitation. Bravo pour votre professionnalisme. Les personnes qui m'ont contacté ont été vraiment très professionnelles. Merci pour votre accueil et merci pour cette belle conférence. Et merci pour ce beau public aussi. Yatikom Saha et bon courage à vous. Ou à la demande, comme si vous avez d'autres questions, je peux y répondre par email ou voilà, par Instagram. Voilà, je me redouche dans le doute. Voilà. Enazida, je voulais vous remercier en fait pour cette opportunité parce que c'est toujours sympa de discuter, d'interagir et de voir, juste de donner plus de visibilité à ce qu'on fait. Donc pour les projets, mon premier projet en ce moment c'est Khedmti. J'essaie de faire une carrière en dehors des réseaux sociaux juste parce que j'ai un diplôme et j'aimerais utiliser ce diplôme pour faire ma carrière. Et en parallèle sur les réseaux sociaux, Zeda, j'aimerais continuer. Voilà. Et voilà. Raya, Imen, Maïsa, Rim, merci beaucoup. Likom. Et personnellement, à part Raya, je suis entraîné au Fort Sala.
pour le reste le marin que tu as chef mais tu as l'air de l'avenir beaucoup de courage beaucoup de chance ولكم انتما زاد بالنسبه لعايشك وبالنسبه لكم انتما مازال اللي عندكم فان بوست كافي en fait à 14h30 14h45 sinon vous avez une formation en branding et digital marketing من مطيتها غير باه حتى شي 16h30 donc 14h45 16h30 plus d'informations appelez le 1180 Jacques voilà c'est ça Merci beaucoup et bonne chance. Voilà. Bye bye.